Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Eishin Mutsuri et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu annonce si je peux dire en ce qui concerne l'avenir de la chaîne. Voilà, donc je vais vous mettre le gameplay que vous allez voir en fond et là juste que pour combler un peu ma voix, voilà, enfin bref, si vous voulez vous pouvez juste mettre la vidéo en fond et faire autre chose sur votre ordinateur, bref. Pour vous dire que j'ai pris une décision et premièrement c'est voilà, si vous avez vu moi le 7e épisode de Alice, je le dis dedans, j'ai décidé d'arrêter les let's play pour le moment, bien que ceux qui sont en cours vont continuer, hein, je vous assure, hein, je vais les finir, mais ils ne viendront pas, comment, ils ne se finiront pas voilà, de suite, il n'y aura pas de vidéo de suite, là je veux me concentrer sur mes nouveaux projets. Je travaille déjà dessus et donc voilà, ça arrivera assez vite j'espère, et donc je me concentre vraiment sur ces projets là, ces deux vidéos que je suis en train de vous préparer, et du coup ça me prend du temps et fatalement je ne prends pas le temps de tourner pour les let's play tout simplement. Alors j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi j'arrête les let's play. Pour la simple et bonne raison que ça me lasse, tout simplement. Vous commentez un jeu du début à la fin, ça me lasse juste littéralement. Alors j'ai décidé de tout simplement arrêter les let's play. Je vais finir les let's play en cours. Ça, je vous assurer, je vais finir les let's play en cours. Mais je vais me concentrer sur d'autres choses, notamment sur une émission que je vais monter sur la chaîne. Ça sera vraiment la grosse émission principale de la chaîne dans laquelle je vais vous parler d'un jeu, enfin de tous les jeux vidéo, hein. Ça sera une émission. Je vais prendre un jeu, je vais le tester de mon côté et après je vous ferai une vidéo dessus pour vous en parler. Ça arrivera aussi que je vous fais le jeu à la va-vite, hop, première heure sur le jeu, tac, les premiers pas, et je vous les fais en direct et tout simplement, voilà. Mais sinon, là sur les deux prochaines vidéos qui vont venir, il y en a une, je vais vous jouer en direct, mais je connaîtrai le jeu à un minimum, même plutôt bien le jeu. Et l'autre jeu, c'est, je vais vous parler en fait un peu, comment dire, dans le, je vais parler comme là maintenant, à l'instant, un peu sans jouer ni rien. Et derrière, vous aurez donc un condensé de gameplay sur ce jeu. Et moi, je vais vous présenter un peu tout ce qu'il y a à savoir sur ce jeu, ses points forts, ses points faibles, ce qu'on peut faire dans le jeu, enfin tout simplement quoi, voilà, tout ce qu'il y a à dire sur le jeu. Et j'espère que ça vous plaira. Et j'espère que vous continuerez à me suivre parce que ça me tient à cœur ce nouveau projet. Parce que voilà, j'en ai vraiment marre de faire des let's play. Et puis la frustration, tout simplement, sur un jeu que je connais pas. Faire 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes sur le jeu. Et m'arrêter là au bout de l'épisode. Et me dire, bon, maintenant faut attaquer le montage, le rendu et l'upload. Et pendant ce temps, je n'avance pas le jeu. Et ça, c'est un peu la frustration que j'ai, donc c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'arrêter les let's play et de me concentrer sur cette nouvelle, sur ce nouveau projet que j'ai. Et ça sera vraiment que de ça, quoi. Peut-être un jour, il y aura de nouveau un let's play sur la chaîne, mais ça serait vraiment sur un jeu que je connais, pas sur un jeu que, voilà. Je vous ferai peut-être du retro gaming en let's play, mais c'est tout, pas des nouveaux jeux. Si je dois vous faire sur des nouveaux jeux, je vous ferai ou une vidéo test sur le début, sur mes premiers pas sur le jeu. C'est-à-dire que je vais vous faire une vidéo de 20 minutes, une demi-heure, vous présenter, voir un peu le jeu avec vous, le découvrir en votre compagnie sur une petite phase de gameplay. Et moi de mon côté, je le continue. Ou alors tout simplement sur un nouveau jeu que moi j'aurais joué de mon côté. Et à un moment venu, je vous ferai une vidéo dessus, sur lequel, voilà, je vais vous présenter un peu le jeu, ce qu'il y a dedans et tout. Et ça sera le cas aussi pour Titanfall, je pense. Il n'y aura pas grand chose à dire, vous avez vu suffisamment de choses, mais je pense, le jour de sa sortie, je vous ferai une vidéo dessus, sur le multijoueur tout simplement, pour le découvrir en votre compagnie, vous en parler, de mes impressions, et voilà, tout simplement. Ce ne sera pas une grosse vidéo, mais ça sera une vidéo qui me tiendra à cœur, donc voilà, c'est un des projets que j'ai. Et sinon, comme je tiens à cette vidéo, je vais vous parler des deux prochaines vidéos qui sont en préparation. La première, c'est sur Resident Evil Révélation. Vous vous souvenez, j'ai fait un let's play dessus et je vous avais promis une vidéo sur le mode commando. Je suis en train de mettre ça en place, j'ai un ami qui m'aide aussi pour un peu la présentation du jeu, et je vais faire en solo
et en coopération ce mode commando. Donc du coup mon ami est là, cet ami sera là avec moi pour vous le présenter. Et l'autre vidéo c'est sur Lightning Returns Final Fantasy XIII. J'ai enregistré des phases de gameplay quand j'y ai joué. J'ai les vidéos sur mon disque dur. Et du coup voilà. Ça fait que je vais vous monter ça. Je vais préparer mon texte. Voilà, tout simplement. Parce que voilà, maintenant je vais préparer des textes pour les vidéos pour que ça soit vraiment clean, qu'il n'y ait pas de trous et tout ça. Là, je suis pas prêt de parler de texte, hein, je le fais vraiment à l'arrache, mais je sais ce que j'ai à vous dire. Donc voilà. Et derrière, du coup, je vais vous parler du jeu. Je vais vous parler comme là un instant. Et derrière, vous aurez donc un condensé de plein de passages du jeu. Et à un certain moment, vous verrez des images importantes du jeu. De ce que j'aurai à vous dire, par exemple, vous avez la possibilité de faire ceci, et donc du coup, dans l'image, vous verrez cette zone du jeu, avec les différents moyens de choses, à peu près, hein, comme ça sera pas direct, ça sera compliqué. Mais au moins, voilà, je sais à peu près comment je vais vous monter ça, vu que j'ai quand même une bonne vingtaine d'heures de jeu d'enregistrer, je pense, même une trentaine, je sais pas trop combien. Enfin, j'ai presque tout le jeu, quoi, pour vous dire que j'ai pas mal d'heures. Donc voilà, sinon, pour les LSP, je vous ai tout dit. Donc voilà, c'est mes nouveaux projets que je vais vous lancer. C'est une autre mission maintenant, c'est ça. Et dès que ma connexion me le permettra, et que j'aurai aussi un meilleur ordinateur digne de ce nom, je vous ferai des lives sur Twitch, sur la plateforme de Twitch. Parce que j'ai vraiment envie d'un jour de m'attaquer à ça, faire les lives avec vous, prendre un jeu, par exemple un MMO. En ce moment, il y a un MMO que j'adore, c'est. Final Fantasy XIV Realm Reborn, qui est extraordinaire, et un jour j'aimerais pouvoir faire un live dessus, vous parler du jeu, vous présenter le jeu, jouer en votre compagnie tout simplement. Pas pour forcément vous présenter le jeu, mais juste pour faire passer une heure de tout tranquille, une heure de votre temps si vous avez vraiment envie de regarder ça. Vous n'êtes pas obligé, mais voilà, c'est mes idées que j'ai en place, mais pour le moment j'attends une meilleure connexion et un meilleur ordinateur tout simplement. Et sinon, je pense donc avoir fait le tour. Je sais pas encore ce que je vais vous mettre comme gameplay en fond pour ça. Je vais y réfléchir. Peut-être une idée ou deux, même peut-être trois idées. Là, j'ai trois petits jeux qui me viendront en tête. Ça serait un gameplay de Battlefield 4, peut-être. Ou un gameplay sur Thief, tout simplement. Ou Thief, je sais pas trop comment on dit, je suis nul en anglais. Enfin, sur voleur, on va dire. Voilà, en français, c'est voleur. Ou alors sur le multijoueur d'Assassin's Creed 4, Black Flag. Je me tâte entre les trois, je vais voir, je vais réfléchir à ça en fonction de ce que je vous propose de mieux. Je vais faire un peu les trois jeux, je vais voir ce que je vous propose comme en mieux en gameplay. Et je ferai en fonction de, voilà. En tout cas, je pense avoir dit suffisamment de choses. Je pense avoir dit ce que j'avais à vous dire. J'aurais pas mal parlé. Mais au moins, c'est clair. Je vais dire ce que j'avais à vous dire, c'est clair. Pourquoi j'arrête les displays, tout simplement, j'en ai marre. J'ai envie de me concentrer sur ce nouveau projet qui me tient à cœur. Parce qu'au début, quand j'ai commencé YouTube, je me suis dit, ouais, voilà, il y a tout le monde qui fait des let's play, ça m'intéresse et tout. Mais aujourd'hui, tout le monde fait justement que des let's play. Il y a pratiquement que de ça, des let's play sur le jeu vidéo, ou alors des petits gameplays de Call of Duty, des jeux comme ça. Mais voilà, il n'y a pas vraiment, il n'y a que quelques YouTubeurs, j'en connais pas beaucoup. À l'heure actuelle, j'en connais que deux ou trois qui font ça, des vidéos comme ça de test. Et moi, j'ai envie de le faire aussi. Vous faire partager donc cette passion que j'ai pour le jeu vidéo. Mais de cette façon-là, et non plus sur un let's play qui fera du début à la fin, parce qu'au bout d'un moment, faut remarquer que mon commentaire laisse à désirer, et que c'est vrai que de faire un jeu du début à la fin, moi, je peux commencer à galérer un petit peu. Et du coup, je commence à. Il y a des moments où il y a tellement de trous, je sais jamais quoi dire. Donc voilà, tout simplement. Voilà, j'ai tout dit. J'ai tout dit, les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous comprendrez donc mes choix. Et que j'espère que vous continuerez à suivre mes vidéos, moi ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas en tout cas à laisser un petit like et à partager la vidéo parce que c'est important. Et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, hein, sur mon Twitter, sur mon blog sur GameWedge aussi. Maintenant je me suis créé un compte GameWedge. Et bientôt je vais me faire un petit Facebook officiel pour la chaîne. En tout cas voilà, j'espère que vous serez nombreux à me suivre. Donc voilà les amis. C'est donc. Je vais mettre un terme à cette vidéo. Et voilà, en tout cas, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Moi, je vous dis donc à très vite pour justement finir un jour les let's play. Et pour la prochaine vidéo,
qui est en attente, qui est en préparation. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et moi, en tout cas, je vous dis donc à très vite. Portez-vous bien, sortez couverts. Salut tout le monde.